Les 10 passages et leçons les plus populaires du livre L'alchimiste de Paolo Coelho. 1. La peur est un obstacle plus grand que l'obstacle lui-même. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste. Une nuit qu'il regardait le ciel sans lune, dit « Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Toute poursuite nouvelle nécessite l'entrée dans un territoire inexploré. C'est effrayant, mais avec un grand risque vient une grande récompense. Les expériences que vous gagnez dans la poursuite de votre rêve en vaudront la peine. 2. Ce qui est vrai durera toujours. Si ce que tu as trouvé est fait de matière pure, cela ne pourrira jamais. Et tu pourras y revenir un jour. Si ce n'est qu'un instant de lumière, comme l'explosion d'une étoile, alors tu ne retrouveras rien à ton retour. Mais tu auras vu une explosion de lumière, et cela seul aura déjà valu la peine d'être vécu. Lorsque vous êtes à la recherche de la bonne décision, sera récompensé celui qui résiste à l'épreuve du temps. 3. Casser la monotonie. Quand tous les jours sont ainsi semblables les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des bonnes choses qui se présentent dans leur vie. La gratitude est la pratique de reconnaître le bien chaque journée. La vie peut facilement devenir stagnante, banale et monotone, mais cela change en fonction de ce que nous choisissons de voir. 4. Enlacer le présent. Parce que je ne vis ni dans mon passé ni dans mon avenir, je n'ai que le présent, et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Il ne sert à rien de résider dans le passé, ni de vous perdre en vous inquiétant de l'avenir dans un moment présent. Dans le moment présent, vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Trouvez comment vous engager avec le moment présent changera votre vie. 5. Devenir une meilleure version de vous-même crée un effet d'entraînement. C'est ce que font les alchimistes. Ils montrent que, lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous le sommes, tout devient meilleur aussi autour de nous. La croissance, le changement et l'évolution se tissent au sein de la réalité. Devenir une meilleure version de vous-même crée un effet d'entraînement, une attraction qui profite à tout ce qui vous entoure. Votre style de vie, votre famille, vos amis, votre communauté. 6. Prendre des décisions. Quand quelqu'un prend une décision, il se plonge en fait dans un courant impétueux qui l'emporte vers une destination qu'il n'a jamais entrevue, même en rêve. Les actions découleront de la confiance de votre décision. Rester assis à attendre ne vous mènera nulle part. 7. Soyez quelque peu irréaliste. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme elles se produisent réellement. Certaines des plus grandes inventions n'auraient pas eu lieu si les gens choisissaient d'accepter le monde tel qu'il est. Les grandes réalisations et innovations émergent d'une mentalité qui ignore l'impossible. 8. Continuez à escalader. Le secret de la vie, c'est de tomber 7 fois et de se relever 8 fois. Certains des plus grands romans de l'histoire ont été publiés après avoir reçu des centaines de refus. Heureusement, ces auteurs n'ont jamais abandonné. 9. Concentrez-vous sur votre propre voyage. Tout le monde semble avoir une idée précise sur la façon dont les autres devraient mener leur vie, mais aucune sur la leur. Il est facile d'être influencé par les autres, mais vous serez misérable si vous finissez par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de mal à prendre des conseils et à apprendre des autres. Mais assurez-vous que ceci s'aligne avec vos désirs et vos passions. 10. Toujours agir. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est par l'action. Vous pouvez étudier, lire et écouter, mais l'expérience complète est quand vous prenez des mesures et des actions. Énergie et sérénité. Paolo Coelho, l'alchimiste.